L'École nationale de magistrature a organisé un concours de recrutement du personnel judiciaire. Cette année, 65 candidats seront sélectionnés pour devenir magistrats, greffiers et surveillants pénitentiaires. Il y a un besoin de justice qui est parce que par rapport à tout ce qui s'est passé, que tout le monde a connu à propos de la RCA, dans ce qu'il y a besoin de la justice. Voilà que je me suis décidée et je me suis engagée pour être une greffière. Il y a un concours des concours de recrutement des élèves magistrats, des greffiers et des agents pénitentiaires. C'est très symbolique dans la mesure où, depuis plus de 3 ans après la crise politique, c'est le premier concours, les premiers concours qui sont organisés pour aider à une reprise effective des activités judiciaires et pénitentiaires. Il y a un besoin croissant de personnel judiciaire. Tous les tribunaux ne sont pas couverts par les magistrats. De la même manière, toutes les prisons ne sont pas mieux surveillées par les surveillants pénitentiaires. Et donc, il y a un fort besoin. Donc, on a commencé l'expérience cette année. Donc, on est en train de réfléchir à l'élaboration d'un plan d'action quinquennal pour voir comment, chaque année, on va former des contingents pour combler ce vide dans l'administration centrafricaine.